Eh bien, bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau bar des sciences en numérique. Ben voilà, nous sommes encore là, toute l'équipe. Donc, vous allez avoir ce soir. Donc moi, je suis, voilà, je travaille au service culture scientifique de l'Université de Montpellier. Je suis Thierry Brassac. Et nous allons avoir donc nos intervenants qu'on va vous présenter dans pas trop longtemps. Ce soir, pour vous accompagner, vous aurez Sophie et Léa qui seront derrière le chat et qui relayeront les questions que vous allez nous poser. Et voilà, donc parce que je vous rappelle que vous êtes sur un événement qui a absolument besoin de vos interactions, de vos questions, de vos réflexions, parce que les intervenants, je vous le garantis, ils n'ont rien préparé, si ce n'est ce qu'ils savent dans leur quotidien et dans leur travail de tous les jours. Donc, on fera une petite présentation de chacun d'eux. C'est Fabio qui va s'occuper de ça. Et donc, ces intervenants vous ont été débusqués dans le laboratoire par Agnès Pesanti, qui travaille dans le service également. Et donc, il faut juste que je vous dise, je vous précise un petit peu pour ceux qui arrivent, voilà, c'est le premier bar des sciences avec nous. Donc, les bars des sciences sont organisés par l'Université de Montpellier, en partenariat avec l'IRD, l'INSERM et l'INRAE. Et nous travaillons aussi en partenariat avec les rencontres scientifiques, qui sont des rendez-vous de ce type, avec le grand public, en fait, qui s'organisent dans toute l'Occitanie et qui sont soutenus par la région Occitanie et les fonds européens. Et notre partenaire média, qui est Radio Aviva, bien entendu. Radio Aviva qui a interviewé Denis Puy, un de nos intervenants. Je ne sais pas si vous avez entendu cette interview-là. Et voilà. Donc, comment ça va se passer concrètement? Fabio va nous faire une petite présentation de chacun des intervenants. Il a discuté avec eux un petit peu pour savoir ce qu'ils avaient fait, quelles étaient leurs orientations, parce que c'est important que vous sachiez un petit peu justement qui ils sont pour pouvoir savoir un petit peu sur quel type de questions ils peuvent réagir. Et ensuite, alors vous pouvez commencer d'ores et déjà hein, à nous partager vos commentaires, vos réflexions. Voilà, ce n'est pas forcément une question, hein, c'est des choses qu'on peut relayer de toute façon. Et peut-être que pendant que Fabio présente les intervenants, je vais vous demander dans le chat de nous dire, à votre avis, selon vous, de nous citer un événement clé de la conquête spatiale qui vous semble important et qui vous a marqué, en fait. Parce que bah, ça peut nourrir aussi notre imaginaire et puis. Et puis, je pense que ça va nous permettre, de manière détournée, de savoir un petit peu quel est l'âge de nos spectateurs, en fait. Voilà. Donc, c'est un twist que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc, je vais laisser la parole à Fabio. Et ensuite, on reviendra. Alors, voilà, c'est ça. Fabio va vous présenter les intervenants, excusez-moi. Et ensuite, on leur demandera peut-être de nous dire pendant une ou deux minutes ce qu'ils pensent du thème de la soirée et comment eux voient un petit peu le sujet de ce soir, qui est forcément un sujet immense, comme d'habitude pour un bar des sciences, mais voilà, qui va être recentré un petit peu sur qui ils sont et bien entendu vos questions. Voilà. À toi de jouer, Fabio. Merci Thierry. Bonsoir à tous. Alors donc on va commencer donc je vais commencer par vous présenter donc Georges-Emmanuel Gleize. Donc bonsoir Georges-Emmanuel. Bonsoir. Alors donc vous êtes doctorant en histoire de l'espace à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès et vous êtes aussi professeur d'histoire-géographie au lycée à Toulouse. Vous faites actuellement donc une thèse d'histoire contemporaine sur le thème de l'exercice de puissance dans les programmes d'exploitation humain et automatique de l'espace interstellaire. Vous êtes donc parfaitement dans notre sujet de ce soir. Donc, on est très heureux de vous avoir. Vos recherches se focalisent sur l'histoire de la conquête spatiale, de ses débuts à aujourd'hui, en passant de la guerre froide entre États-Unis et URSS à la compétition actuelle entre États pour la recherche et le pouvoir spatial, USA, Chine, Russie, Europe et Inde, entre autres. Lors de notre entretien, nous avons échangé sur votre intérêt pour l'évolution de la prise en compte de cette question spatiale par la société et justement du rêve, de la passion qu'elle suscite, mais aussi de la peur et du désintérêt. Votre intérêt pour le spatial vous est venu lors d'un de vos stages en master, et vous n'avez donc quitté, pardon, depuis plus quitté ce domaine qui vous passionne toujours autant. Vous êtes aussi l'auteur donc de La Lune sans étoiles, un recueil de 6 nouvelles de science-fiction publié aux éditions Spinel en 2018. Alors, ensuite, donc, bonsoir Jean-Louis Fellousse. Bonsoir.
Vous êtes donc ancien directeur exécutif du COSPAR. Le COSPAR, donc, c'est le Comité mondial pour la recherche spatiale. Et vous êtes secrétaire du comité scientifique de la Fondation Van Allen, cette fondation soutenant le Centre spatial universitaire de Montpellier. Vous êtes géophysicien, spécialiste de l'atmosphère, de l'océan et du climat, un vaste champ. Vous avez dirigé les programmes d'observation de la Terre, en particulier atmosphère-océan, par un satellite qui s'appelle Topex Poséidon, du Centre national d'études spatiales, plus communément appelé le CNES. Puis vous avez dirigé les recherches océaniques de l'IFREMER, l'Institut français de recherche sur l'exploitation de la mer. Vous avez été aussi mis à disposition de l'Agence spatiale européenne pour le développement des programmes européens d'observation de la Terre par satellite pour surveiller l'environnement et la sécurité. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le changement climatique, dont Comprendre le changement climatique, publié chez Odile Jacob en 2007, et vous avez coécrit L'exploration spatiale au carrefour de la science et de la politique, publié aux éditions du CNRS en 2011, rejoignant exactement le thème de la soirée. Ensuite, bonsoir Stéphanie Lizy Destrez. Bonsoir. Vous êtes professeur associé en génie des systèmes spatiaux, enseignante-chercheur et responsable du volet systèmes spatiaux du Master of Science à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Vos recherches portent actuellement, entre autres, sur le déploiement d'un garage de l'espace, entre guillemets, comme vous m'aviez dit, soit une station spatiale, en fait, permettant de recycler des pièces et du matériel des satellites. Vous étudiez aussi surtout l'étude du vol spatial habité, c'est-à-dire un vol avec un équipage humain dans un véhicule spatial. Vous avez donc mis au point avec vos collègues un protocole expérimental que vous testez dans des contextes difficiles pour imiter l'environnement spatial, comme en Russie ou en Pologne. Et vous avez donc d'ailleurs assez hâte de pouvoir bientôt partir, on croise les doigts, pour un de ces environnements extrêmes, une mission en Antarctique d'ici 2022 ou 2023. Cela, en fait, afin de tester, par exemple, le temps que pourrait mettre un robot à aller chercher puis ramener un échantillon, mais aussi afin d'étudier la physiologie et le comportement de l'équipage confiné durant 6 mois. On peut donc dire que vous êtes aussi une spécialiste des questions de confinement, chose qu'on connaît plutôt bien en ce moment. Et en particulier, vous m'avez parlé aussi de votre passion pour le domaine spatial qui avait eu lieu lors d'une visite à l'Observatoire de Nice à l'âge de 7 ans. Vous aviez pu observer pour la première fois des lunettes astronomiques en étant accompagné d'astronomes. Cela vous a passionné et ne vous a pas quitté depuis. Et enfin, notre dernier intervenant, bonsoir Denis Puy. Vous êtes directeur du laboratoire Univers et particules de Montpellier, qu'on appelle le LUPM, et vous êtes professeur à l'Université de Montpellier. Vous êtes aussi trésorier de la Fondation Van Allen. Vous êtes spécialisé plus particulièrement en cosmologie. Alors, qu'est-ce que la cosmologie? C'est l'étude des propriétés de l'univers dans son ensemble, son origine, sa nature, sa structure et son évolution. Et vous en êtes un théoricien, donc vous faites beaucoup de calculs. Vous travaillez actuellement sur le projet Faune, qui en fait a pour projet d'envoyer des nanosatellites afin d'observer un rayonnement particulier. Les nanosatellites sont de tout petits satellites d'un poids de 1 à 10 kg afin d'étudier l'expansion de l'univers. Vous souhaitez envoyer une trentaine de ces nanosatellites autour de la Lune afin qu'ils renvoient des signaux comme une immense antenne. Votre passion pour l'astrophysique vient d'une séance de cinéma lors de laquelle vous êtes allé voir Star Wars avec des amis à l'âge de 12 ans. Et c'est là que vous vous êtes dit, je veux faire ça. Même si déjà, vous m'avez concédé à 7 ans. Vous aviez assisté à la retransmission en direct du premier pas sur la Lune et vous aviez été quand même un petit peu fatigué d'être réveillé en pleine nuit. C'est vrai. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est donc eh bien, dans le même ordre d'expliquer peut-être un petit peu ce que vous inspire notre sujet de ce soir, qui est donc la conquête de l'espace pour la science ou pour le pouvoir, point d'interrogation. Peut-être on va donc refaire dans le même ordre, commencer avec Georges-Emmanuel. Alors, je vais faire juste une petite incursion, Fabio, si tu me permets. Ah, je vois que nous avons le premier commentaire qui arrive. Nous avons besoin de vous, hein. N'oubliez pas que, effectivement, on a besoin de vos réactions, de vos questions, de vos. Donc, le temps que, profitez-en, le temps que, justement, la pluralité des intervenants que nous avons ont été choisis, justement, pour avoir une diversité de points de vue, etc. Donc, voilà. Écoutez bien comment ils vont aborder le sujet de ce soir et puis commencer à amorcer bah, vos questions pour la suite, la suite de la soirée. Georges-Emmanuel, si vous Alors, voulez, la en une conquête spatiale, minute.
En une minute, ça va être très compliqué, le sujet est vaste. Pour la science ou pour le pouvoir, je dirais pour les deux. Et de toute façon, la science est un outil de pouvoir, et le pouvoir sert également la recherche scientifique, hein, par les différents outils qu'il permet de dégager. C'est un sujet qui est essentiel pour notre civilisation occidentale, même pour la civilisation humaine, hein, au sens large, qui peut permettre de décrire quelles ont été les relations internationales depuis, grosso modo, la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Un sujet d'actualité qui nous interroge à la fois sur notre façon de nous projeter dans l'espace, mais également sur le regard qu'on va porter sur notre propre fonctionnement, notre propre rapport aux questions d'égalité, aux questions d'écologie. C'est un sujet aussi polémique concernant les budgets qui sont investis, et qui n'en est qu'à ses débuts, puisque si l'on suit ce qu'ont dit beaucoup de ces gens qui ont fait l'histoire de l'espace et qui entendent aujourd'hui continuer à la faire, eh bien, nous n'en sommes qu'au début, et l'avenir de l'humanité est dans l'espace, et il nous faut trouver des moyens pour le rendre, cet avenir, le plus confortable et le plus souhaitable possible. Parfait, Georges-Emmanuel, même pas une minute. Jean-Louis Fellous, votre avis sur le sujet ? Voilà. Pardon. Moi, je suis tombé dans l'espace en 1957. J'avais 10 ans et j'ai vu les titres des journaux qui saluaient le lancement d'un premier satellite artificiel de la Terre, Sputnik 1. Et en fait, le problème dont on va parler ce soir, il est posé depuis 1957. Il faut se rendre compte d'abord que l'espace, dès le départ, dès l'origine, a parti lié avec le militaire. S'il n'y avait pas de militaire, il n'y aurait pas d'espace, il n'y aurait pas eu les lanceurs, il n'y aurait pas eu les missiles balistiques. Ensuite, la confrontation qui existait entre le système socialiste et le système capitaliste personnifié par les États-Unis et l'URSS en sens inverse, c'est très vite déplacé de la menace d'un conflit militaire vers le conflit dans l'espace, la confrontation, la comparaison des qualités, des performances des deux systèmes dans leur réalisation. Donc la science a profité de cette situation, parfois au premier plan, mais parfois au second plan, ou même loin derrière, les scientifiques essayant de faire ce qu'ils pouvaient avec ce qui leur restait dans le cadre de ces réalisations. Et puis, depuis 60 ans, 63 ans, 64 ans, les enjeux se sont largement déplacés. Il y a aujourd'hui plus de 50 pays qui ont mis un pied ou autre chose dans l'espace. Le terrain des applications est devenu largement banal, puisque tout le monde utilise le spatial sans même s'en apercevoir. Ce qui me paraît important aujourd'hui, ce sont les grands objectifs, et j'en aurai terminé, les grands objectifs, les grands enjeux, que sont la question de l'habitabilité de la Terre, du climat, et pour cela, l'espace constitue un point d'observation absolument essentiel. Et qu'on utilise presque au mieux, mais pas encore tout à fait. Il y a la question du retour sur la Lune, qui pourrait être un des grands objectifs internationaux. La Station spatiale internationale n'est pas tout à fait internationale, il y manque l'Inde, la Chine, par exemple. On aurait pu imaginer, c'était le vœu de du futur ancien directeur général de l'Agence spatiale européenne, Jan Werner, de créer une base lunaire international avec beaucoup de parties communes. Il y a la question de la conquête de Mars qui relève largement du marketing et de l'image publique que la NASA en particulier essaye de donner, sachant bien qu'en réalité on est très loin d'être capable de faire ça. Et puis tout cela va se situer dans le cadre d'un affrontement qui est différent aujourd'hui, qui reste au stade d'une espèce de guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Voilà les questions qui se posent pour moi. Merci Jean-Louis. Un petit peu plus d'une minute, mais ça passe. Ensuite, donc Stéphanie Lissy-Destrez, si on veut, votre oui. avis. Alors, mon avis sur la question, c'est au lieu de les opposer, moi je vois plus la conquête de l'espace comme étant une collaboration entre les scientifiques et les gouvernements et ceux qui détiennent le pouvoir, parce que l'un nourrit l'autre. En fait, la science va aller chercher des réponses dans l'espace,
d'où vient la vie sur Terre, comment s'est créé l'univers. Et pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer, les scientifiques ont besoin de financement, ils ont besoin de décisions politiques pour mettre en œuvre leur mission. Et comme le soulignaient les participants précédents, en fait, le politique a besoin aussi du scientifique pour l'image des idées qu'ils défendent, de pouvoir les mettre en avant avec la cause scientifique en disant, ben oui, mais si on investit du temps, de l'argent, c'est pour faire avancer la connaissance et donc au profit de l'humanité. Donc, ma vision, c'est que voilà, les enjeux sont différents pour les deux facettes, mais ils sont indissociables. Et que plutôt que de les affronter, il faut plutôt essayer de les faire fonctionner ensemble. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec l'importance des sujets qui ont été abordés par rapport à l'habitabilité, par rapport au climat, par rapport au retour sur la Lune. Par contre, je serais un peu plus optimiste que mes collègues de ce soir. C'est que travaillant sur ces sujets-là, moi, j'ai vraiment envie que ça marche. J'ai envie que ma science et ma recherche soient utiles. Donc, je vais rester plutôt optimiste. Merci pour cet avis optimiste, en tout cas, voilà, Stéphanie. Et puis, pour finir, Denis Puy. Je dirais, en tant qu'astrophysicien, pendant 2000 ans, on s'est contenté d'observer le ciel depuis le sol à l'aide des télescopes. Et puis, peu à peu, le développement théorique a montré que ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, c'est-à-dire pas seulement la lumière optique, mais quantité d'autres de lumière, qui est l'infrarouge, le rayonnement X, le rayonnement gamma, eh bien, tout ceci ne pouvait pas être observé depuis le sol parce que entre le sol et l'espace, il y a notre atmosphère un peu protectrice, qui nous permet justement de ne pas avoir de rayonnement UV qui serait problématique pour le développement de la vie. Donc, il est venu naturellement de se dire, eh bien, de rêver, mais pourquoi on n'en verrait pas, on va dire, des télescopes ou alors des appareils de mesure qui puissent capter ce type de rayonnement. Alors, est venu le développement technologique. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, peut-être on va l'aborder, la question du pouvoir. Peut-être refroidir un peu tout le monde dans le sens qu'on parlait de la conquête spatiale, la conquête de la Lune. Mais il ne faut pas oublier que le développement du programme lunaire, il est parti quand même sur une idée un petit peu moins scientifique. C'était une manière de développer les vecteurs balistiques. Évidemment. Et qui ont, sans cette idée horrible, c'est-à-dire on était quand même en pleine guerre froide, savoir est-ce que on peut craindre des conflits nucléaires et d'être capable d'envoyer des missiles balistiques. Par contre, si on annonce ce programme-là, ça posera un problème en termes politiques. Et donc, le programme de la Lune est bien tombé pour cela. Maintenant, de savoir est-ce que le programme sur Mars, il y a encore derrière une application militaire, non, je ne dirais pas jusqu'à là. Mais voilà, on va dire que, et Jean-Louis l'a très bien dit, c'est intrinsèquement lié. Beaucoup de satellites, par exemple dans l'infrarouge, on permet d'observer eh bien, des coins reculés de la Terre et puis à des brillances très, très basses. Et merci, ça, Denis. Voilà, oui, bon, j'arrête là. Merci à toi, Denis. Bon, j'ai une bonne nouvelle, nous avons notre première question qui est arrivée. Je vais donc passer la parole à Fabio. Donc, n'oubliez pas, par rapport à ce que nous disons, de réagir et de nous faire rebondir pour passer ce moment ensemble. Je t'en prie, Fabio, à toi de jouer. Merci Thierry pour la première question, donc de laisser inaugurer. Alors, première question, ne pourrait-on pas considérer que la conquête de l'espace, au-delà de son intérêt scientifique et militaire, représenterait simplement la continuité de l'évolution humaine afin de pousser sans cesse nos limites technologiques. Vous avez 2 heures. Vaste sujet qui fait un peu débat, puisque ça voudrait dire que la conquête spatiale elle-même est déterminée par des comportements humains qui seraient cadrés par un état de nature presque. Le sujet est posé depuis pas mal de temps par ceux qui s'intéressent à l'avenir
spatiale de l'humanité. Certains disent oui, clairement, hein, de toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça sera comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne la fin de notre civilisation, la fin de notre espèce. Et ils citent très souvent d'ailleurs une phrase de Konstantin Tsiolkovsky, hein, l'humanité est née sur Terre, la Terre est le berceau de l'humanité, mais personne n'a pour objectif de rester au berceau toute sa vie. Après, ça signifierait qu'il y aurait une poussée continue de la civilisation humaine et qu'on ne connaîtrait pas d'accident grave sur cette poussée et qu'on finirait à terme par se projeter dans l'espace. C'est faire un pari énorme sur l'avenir et peut-être méconnaître un peu, si on peut dire, le fonctionnement de l'humanité depuis ces deux derniers millénaires. Excusez-moi, je pense que Jean-Louis voulait réagir. Il a levé la main. Oui, j'avais levé la main. Je pensais faire la même citation de Konstantin Tsiolkovsky que celle qu'a faite Georges Glaize. Et évidemment, personne ne peut s'empêcher de ressortir ce texte. La réalité, c'est que l'espèce humaine est fille de la Terre et elle a beaucoup de difficultés à vivre ailleurs que sur Terre. Il faut voir ce que ça peut coûter de chaque minute de vie dans l'espace. Et puis, l'idée de terraformer comme... le disait Carl Sagan ou d'autres chercheurs plus ou moins délirants, de terraformer d'autres mondes pour aller s'y installer, ça relève du rêve, mais certainement pas de la réalité. Il y a des recherches faites sur le sujet, des publications. Oui, il faut quelques centaines de milliers d'années pour transformer la... Bon. Jean-Louis, je dirais qu'il y a nécessité, hein. Puisque notre Soleil, on le sait, explosera en supernova dans 5 milliards d'années. Oui, c'est vrai, c'est urgent. Il faut trouver une solution. Après 5 milliards d'années, soit on est tous éteints, soit on a trouvé déjà de partir. Donc le compte à rebours est lancé. On a 5 milliards d'années à trouver une idée. Je pense qu'à l'échelle de la planète, on a moins que ça encore. Hein, si oui, on continue comme ça. Oui, mais il commencera à cailler avant. Non, mais on est une espèce très résiliente, on survivra. On a toujours survécu, on continuera à survivre. Il faut le voir comme ça. Même si on fait de grosses bêtises, il en restera toujours quelques-uns pour permettre de relancer la machine. Est-ce que je peux me permettre de je vais poser une question, moi. Normalement, je ne pose pas de questions, je n'ai pas le droit, en fait. Mais là, je ne peux pas m'empêcher, en fait. À votre avis, parce que là, vous avez justement des profils qui sont quand même différents les uns des autres, pour vous, c'est quoi le prochain challenge spatial, en fait, le truc qui vous semble vraiment le truc important à développer, en fait? Moi, je veux bien répondre en premier. Après, oui, allons-y. Alors. Voilà, là, il y a beaucoup de challenges, évidemment, mais une des thématiques qui me semble essentielle, sur laquelle il faut qu'on travaille, c'est les débris spatiaux. Et si on veut continuer à pouvoir utiliser l'espace, on parlait des ressources, par exemple, des ressources de la Lune, mais l'espace lui-même est une ressource. Et la place en orbite en est une, et avec les débris actuels et qui ne fait qu'augmenter, cette ressource va être limitée. Donc, avant d'aller beaucoup plus loin, je pense qu'il faut déjà s'occuper de notre environnement proche avant d'aller polluer d'autres corps célestes. Oui, il y a des gendarmes des déchets dans l'espace ou pas? Ça existe, ça? Non, pas pour l'instant. C'est bien le souci. En fait... Il y a des règles de bonne conduite au niveau international. Il y a certains États, dont la France, qui ont légiféré, mais il y a d'autres États, au contraire, qui encouragent presque leurs ressortissants, leurs entreprises, à aller exploiter l'espace. Donc, pour l'instant, il y a un vide juridique là-dessus. La loi spatiale, mais le Space Act. Voilà, mais qui est sur le fait de ne pas utiliser des armes, justement pour rebondir sur la question du militaire et du nucléaire dans l'espace. Mais on va pas, enfin voilà, on n'a pas de gendarmes de l'espace. Ça veut dire que on est encore dans premier arrivé, premier servi, en gros. Oui. Les traités de l'espace, normalement, rendent responsables quand même les États de... Il y a quand même un certain nombre de règles. Par exemple, l'orbite est géostationnaire, c'est un bien commun de l'humanité. Les règles qui interdisent de se positionner trop près d'un autre satellite pour éviter les,
les interactions électromagnétiques font qu'en gros, il y a 180 satellites au maximum qui peuvent coexister sur l'orbite géostationnaire qui est à 36 000 km d'altitude dans le plan équatorial. Bon, 180 satellites, ça paraît beaucoup, mais ce n'est pas si tant que ça. Ça recouvre l'ensemble des satellites de météorologie et ça recouvre aussi l'ensemble des satellites de télécommunication et télévision directe. Donc là, par exemple, il a bien fallu que les gens s'accordent, sinon ils se crachaient dessus sans arrêt avec leur fréquence. C'est un des aspects. Mais le reste, l'orbite basse sera entièrement saturée dans une trentaine d'années probablement, si on n'est pas capable de la nettoyer. J'avais une question pour vous, Jean-Louis. Justement, comment, si un satellite non autorisé arrivait en géo et se mettait à la place ou à côté de quelqu'un, est-ce qu'on a des moyens de l'en empêcher ? En principe, un satellite est lancé à partir d'un pays. Et c'est chaque pays qui est signataire du traité de l'espace qui est responsable d'autoriser ou non les lancements depuis son territoire. Donc, ça se posera plutôt avant ça. C'est-à-dire que si quelqu'un annonce qu'il va lancer un satellite sur cette orbite sans avoir pris les précautions requises, les autres pays au sein du Comité des Nations Unies sur l'utilisation de l'espace pacifique, l'espace extra-atmosphérique, le COPUOS, peuvent s'en offusquer et protester. Mais personne n'ira fusiller un satellite là-haut. Pour l'instant, j'espère que ça continuera. Pour l'instant, Fabio, je crois que Fabio a une question à vous relayer avant qu'on continuera sur les défis après. En fait. Vas-y, Fabio. Oui, tout à fait. Alors, juste une petite remarque de la première question, donc Al qui vous dit merci pour ces réponses très pertinentes, déjà. Et la prochaine question, donc j'espère que je prononce bien, donc de Jean-Jacques Warzyniak. Comment voyez-vous une coordination internationale face aux risques externes d'une menace d'impact d'un astéroïde ? Un peu pessimiste, comme. Mais bonne question. Ça existe, ça se discute aussi dans ce comité des Nations Unies sur ce qui s'appelle Near Earth Objects, NEO. Et donc, il y a des discussions qui font intervenir les différents pays, les différents spécialistes dans ces différents pays, sur la surveillance de l'espace extra-atmosphérique, avec notamment le NORAD aux États-Unis, un ensemble de radars qui existent en Europe et ailleurs, et qui surveillent ces objets, en font la cartographie. Donc, on sait que ça existe et on est capable de dire que peut-être dans 800 ans, il y aura un astéroïde un peu important qui pourrait percuter la Terre, mais ça demande beaucoup de temps et de calcul. Mais la coopération internationale, elle se fait plutôt par l'intermédiaire de ce genre de... Non pas tellement, si vous voulez, au plan de préparer une réponse technique. Par exemple, les Européens regardent ce qui serait possible de faire en envoyant une charge nucléaire pour faire exploser ou modifier la trajectoire d'un objet qui serait menaçant, mais plutôt au niveau politique. On a un peu le temps. Après, on ne surveille qu'une partie du ciel. On ne peut pas non plus savoir, parfois, s'il n'y a pas un lapin qui sortirait du chapeau, malgré nous. Même si c'est un thème de science-fiction, c'est aussi une des préoccupations des agences spatiales. Et Côté américain, côté européen, il y a pas mal de recherches qui sont conduites sur le sujet, en effet, hein, comme ça a été dit. Après, est-ce qu'on pourrait créer une organisation internationale qui répondrait à cette urgence dans l'immédiat? Là, on rentre dans de la politique fiction. Ce serait peut-être possible, mais il faudrait que les uns et les autres acceptent de dialoguer, qu'on soit dans une situation géopolitique qui soit saine, qu'on accepte de partager des technologies. Or, on a bien vu avec l'ISS que partager des technologies avec les Chinois, c'était très compliqué, sinon impossible, surtout quand on est américain. Peut-être que l'urgence fera la nécessité fera loi, mais j'ai quelques doutes. Mon côté pessimiste ressort, j'ai quelques doutes. Et puis, c'est un sujet également qui est abordé bien souvent par ceux qui font cette recherche sur ces dangers d'impact d'astéroïdes, de météores ou de comètes. C'est dans quelle mesure on communique avec les populations.
Est-ce qu'on crée du chaos? Est-ce qu'on pense que les populations vont se comporter de façon responsable, adulte? Est-ce que si on en parle, ça permettra bien sûr de communiquer avec d'autres nations? Au contraire, est-ce que ça obérera toute chance d'union internationale? C'est des sujets qui sont critiques, qui ont connu des embryons de réponse, mais pas non plus d'études très, 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 très approfondies pour l'instant. Georges-Emmanuel, juste avant de redonner la parole à Fabio, parce qu'on a pas mal de réactions justement complètement dans la discussion qu'on est en train d'avoir. Quand vous avez dit partager des technologies avec la Chine par rapport à l'ISS, est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'envers du décor de cette question-là, en fait, parce que je sais qu'effectivement, la Chine n'est pas sur l'ISS, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi? Le but, c'est d'éviter que les Chinois ne se montrent un peu trop curieux vis-à-vis des technologies spatiales qui sont déployées sur l'ISS et qui pourraient enrichir leur propre patrimoine technologique et donc leur permettre d'accélérer dans leur développement spatial. On a intégré la Russie parce que ça permettait à la Russie d'avoir un projet et de garder aussi une partie des scientifiques russes à la chute de l'URSS un peu sous clé. C'était la volonté des Américains. Qui sont passés de leur station spatiale Freedom, qui était une station spatiale autochtone, à une station spatiale beaucoup plus internationalisée. Il y avait le but également de mettre un peu sous la même coupe les perspectives européennes pour éviter que l'Europe ne devienne trop indépendante et profiter aussi du capital technologique européen, des compétences européennes. Mais pour les Chinois, non, la Chine était déjà assimilée à une menace géopolitique en devenir, et à partir des années 2000, clairement, même 2000-2005, il était absolument plus question de leur permettre de rejoindre un programme spatial comme celui-ci. Trop critique. D'accord, déjà à cette époque-là, en fait. Je crois que Stéphanie voulait réagir, peut-être. Oui, je voulais juste réagir sur la position de la Chine. Effectivement, elle n'est pas acteur de l'ISS parce qu'elle a son propre programme de vol habité qui est avec une station, avec des cargos ravitailleurs, avec des véhicules pour les équipages. Mais par contre, la Chine participe à l'ISEC. Donc l'ISEC, c'est une association, un regroupement des grandes agences spatiales pour travailler sur la feuille de route de l'exploration. Et il y a, je crois, 14 ou 15 agences spatiales qui travaillent là-dedans. Et la Chine en fait partie. Elle est plus qu'observateur. Alors pour l'instant, elle participe à l'élaboration de la feuille de route, mais c'est leur choix. Mais ils participent à toutes les réunions, ils sont invités. Donc, il y a quand même une évolution dans le comportement et de ne pas les traiter à part. Donc, on peut aussi essayer d'être optimiste et que... Oui, oui. Après, aussi, ce qu'on peut voir, c'est que pour le futur de la Lune, on a d'un côté la Gateway, effectivement, avec les mêmes partenaires que l'ISS, mais en parallèle, la Russie a signé un accord avec la Chine pour développer aussi des activités. Donc, ça avance en parallèle, peut-être. Je voudrais dire un mot sur la question de la Chine et des interdits que les Américains opposent à certains types de coopération internationale, en particulier l'utilisation de certains composants. Il existe une législation qui s'appelle ITAR, aux États-Unis, qui interdit un certain nombre de composants qui ne peuvent pas être exportés à l'étranger. Et ça ne concerne pas que la Chine, ça concerne aussi la France ou d'autres pays. Hein. Du temps où je coopérais avec les Américains sur un satellite d'océanographie, notre collaboration était basée sur ce qu'ils appelaient la « black box approach », l'approche boîte noire, c'est-à-dire que nous pouvions mettre en place sur le satellite des instruments et en ne connaissant rien d'autre que des interfaces, le diamètre d'un trou, l'intensité d'un courant, etc. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était interdit. On n'avait pas le droit de le savoir et donc on appliquait le même principe réciproquement, bien sûr. Donc ça a beaucoup évolué, mais quand même. Alors maintenant, en ce qui concerne la Chine, il faut savoir que c'est toujours du spatial. Il y a quelques années, pas beaucoup, une demi-douzaine d'années, un peu moins, on s'est aperçu à la suite de la dérive d'un satellite météorologique américain que la prévision
des cyclones tropicaux était nettement amélioré par le fait que ce satellite avait dérivé de son orbite. Mais bon, il a vécu un certain temps et on s'est rendu compte qu'il était bien plus favorable de disposer d'un satellite sur l'orbite sur laquelle il avait dérivé que sur son orbite initiale. Sauf que les Américains n'avaient plus la possibilité de lancer des satellites sur cette orbite. Il existe un groupe de coordination mondiale sur la météorologie auquel participent la France, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, l'Inde, la Corée, tout ce qu'on voudra. Et les Américains ont poliment demandé aux Chinois de modifier l'orbite d'un de leurs satellites. Il a fallu qu'ils le reconstruisent complètement. Ils l'ont fait. Les modèles numériques américains ont été utilisés pour démontrer que c'était avantageux pour tout le monde, et ça se fait. Donc, il existe quand même quelques bonnes nouvelles, elles ne sont pas suffisamment connues, qui montrent que la coopération internationale a aussi des grands succès dans l'espace. Et comme pendant la guerre froide. Oui. Je vais passer la parole à Fabio, parce que les questions se bousculent, et je vous en remercie à tous. On vous en remercie tous, hein, c'est super. On va essayer de traiter tout au mieux. Donc Fabio, il est en train de compiler des questions, de questions, de questions pour essayer de faire en sorte que tout votre apport soit valorisé au mieux dans cette discussion. Tu as tout deviné, Thierry, exactement. Je suis en train de mettre ensemble des questions pour voilà, qui reviennent sur le même thème. Juste une petite remarque donc, de Jean-Jacques Warzignac dont la question avait été posée tout à l'heure, qui a dit donc merci, ma question venait de la menace d'Apophis, si vous connaissez, qui heureusement ne passera qu'à 36 000 km de la Terre en 2029. Et pour rebondir sur ça au niveau donc coopération, Jules nous pose la question, une coopération pour établir une base lunaire est-elle vraiment possible entre les différents acteurs du domaine spatial? Quels bénéfices en retireraient en fait ces pays? Et en lien avec cette question, Henriette Bruxelles, pensez-vous que l'utilisation de la science pour incarner des idéologies a permis à la conquête spatiale d'aller plus loin, ou au contraire, est-ce que la concurrence est-elle en défaveur avec la recherche? Coopération, compétition. Pour la base sur la Lune, je crois que Stéphanie, elle a fait le plan dans sa thèse, hein, si je me rappelle bien. Pardon, j'avais mon micro coupé. Effectivement, mais il y a plusieurs projets. Depuis tout à l'heure, on parlait de stations spatiales en orbite au voisinage de la Lune. Donc là, ce sont effectivement des programmes qui sont en coopération. Il y a aussi la vision du Moon Village, de l'ancien futur ou le futur ancien directeur de l'ESA, Ian Werner. Là, c'est vraiment, quand on regarde le programme Artemis et la projection, effectivement, il y a la notion de coopération parce que les technologies, elles sont complémentaires et que partir sur des grands programmes comme ça, on peut pas, une nation toute seule, c'est compliqué. Mais si on se met dans un futur encore un peu plus lointain où on a plusieurs bases soutenues par différentes nations sur la Lune, on va rentrer dans des difficultés de comment on gère s'il y a des malveillances entre un site et l'autre, puisque bon, la Lune, elle appartient à personne. Est-ce que c'est la règle du premier arrivé, premier servi? Qui c'est qui exploite? Et est-ce qu'on peut... Il y a beaucoup de questions éthiques, légales qui sont derrière tout ça et qui sont au-delà des technologies, de l'avancement des technologies. Il y a des questions sociétales qui sont importantes et qui sont loin d'être réglées pour l'instant sur ce sujet-là. Un mot sur la base lunaire, si vous permettez, le Moon Village. Il existe un modèle qui est le modèle de l'Antarctique, sur lequel tous les pays peuvent avoir une base. Elles sont indépendantes, mais ils ont des engagements pour venir en aide, le cas échéant, d'une base à une autre. Et d'autre part, dans le cas d'une base lunaire, on pourrait imaginer qu'il y ait des facilités communes qui soient utilisées, chacun ayant ses propres... Donc, il y a des aspects extrêmement positifs à imaginer dans le cadre d'une coopération dans ce genre. Alors, vous allez dire que je suis encore le pessimiste du groupe, mais on retrouvera les mêmes problèmes de transfert de technologie entre notamment la puissance américaine et la puissance chinoise qui monte de plus en plus en pression dans leurs relations internationales.
Il n'y a pas tant de sites que ça qui sont exploitables visiblement sur la Lune. Un article récent est sorti dans un média grand public français il y a quelques jours qui l'expliquait bien. Et évidemment, on va se poser la question de, en effet, comme ça a été souligné, hein, qui exploite quoi, qui peut exploiter quoi, et est-ce que c'est une exploitation qui est uniquement liée au domaine scientifique, est-ce que c'est une exploitation qui devient militaire, est-ce que le commercial s'ajoute dessus avec les États-Unis qui ont voulu, depuis une bonne dizaine d'années, hein, ouvrir leur secteur spatial et l'espace tout simplement au privé. Il y a d'un côté, il y a le rêve, la prospective, le papier qui présente quelque chose d'absolument merveilleux, hein, presque l'ouverture d'un monde où tout le monde pourrait s'entendre, où même les anciens ennemis deviendraient les nouveaux alliés. Et puis, il y a la réalité de l'exploitation de l'espace qui, elle, risque d'être beaucoup plus sombre et d'imposer la mise en place d'un corpus juridique extrêmement strict pour limiter les actions des uns et des autres et évidemment aussi, hein, faciliter et encourager les aides mutuelles, comme c'est déjà le cas, hein, dans le cadre des différents traités de l'espace. Oui, Fabio, je t'en prie. Merci Thierry. Donc là, pareil, j'ai repris plusieurs questions, donc là qui s'intéressent plutôt aux débris, donc de Gilles Lenoir 89 et de Cyril Prisbilla. Quelles solutions concrètes sont identifiées aujourd'hui pour gérer ces débris? Quelles solutions pour encadrer le space traffic management? Et je pensais que les satellites modernes devraient être désorbitables. Est-ce que c'est possible? Qu'il y a des orbiteurs parmi nous, des gens qui peuvent partir, qui peuvent nous parler de ce sujet-là, en fait. Est-ce que c'est en fait des orbiteurs, ça veut dire qu'il se nettoie proprement et il disparaît comme il faut, en fait, quand il a fini son usage, c'est ça l'idée? Non, oui, peut-être. Ouais. Juste un petit mot sur la question de désorbiter. Tout dépend de sur quelle orbite on se place. À 36 000 km, on peut y rester un milliard d'années. Donc, on l'envoie 50 km plus haut, on a la paix. À 1 200 km, c'est plus embêtant. Ça dure un millier d'années, à peu près, la vie d'un satellite là, si on n'est pas capable de le faire redescendre plus rapidement en orbite. Donc, normalement, tous les satellites, au moment où ils commencent à devenir un peu fatigués et il leur reste suffisamment de carburant pour re-rentrer dans l'atmosphère dans un temps relativement court, c'est prévu, ça se fait, sauf que certains satellites tombent en panne. Les satellites dont je me suis occupé étaient à 1300 km d'altitude, à peu de choses près, et en général, comme on avait décidé que cette orbite était une orbite qui devait être réutilisée systématiquement par tous les satellites remplissant la même mission, on avait la nécessité de les envoyer 50 ou 100 km plus haut pour être tranquille. À plus basse altitude, les satellites se nettoient tout seuls à 250 km. Ils restent très peu de temps dans l'atmosphère, il y a trop de frottements et ils retombent. Donc le nettoyage, il se pose surtout pour la question des satellites, disons, entre 500 et 1200 ou 2000 km. Alors là, soit on a fait le nécessaire pour le désorbiter proprement, comme ça a été dit, soit il faut, pour les satellites qui ont été lancés il y a longtemps, qui sont morts et qui sont devenus des corps inertes, il faut essayer d'aller les enlever. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Qui va payer? Alors, Stéphanie veut dire d'autres choses là-dessus. Oui, Stéphanie voulait réagir. Je voulais juste poser la question. Jean-Louis, vous avez parlé de carburant pour les satellites, en fait. C'est quoi le carburant des satellites et ça leur sert à quoi, en fait? Tous les satellites sont soumis à des forces de pression solaire ou de n'importe quoi, de frottement. Des résidus de l'atmosphère, et donc ils ont tendance à dériver par rapport à l'orbite initiale. Donc en permanence, un satellite émet des petits jets de gaz destinés à maintenir l'orbite là où elle est, où ils font une rectification toutes les semaines ou tous les 15 jours quand il y a besoin. Ils sont aussi amenés des fois à faire une manœuvre d'évitement. Si un satellite qui passe trop près, ils sont obligés de se pousser pour éviter le risque du choc. Voilà, donc de toute façon, tous les satellites, alors plus ils ont été lancés parfaitement sur l'orbite de destination, et plus ils vont avoir une durée de vie suffisante avec les ergols qu'ils ont à bord, qui pourra
leur permet de durer bien au-delà de leur vie nominale, si le reste des autres composants fonctionne bien aussi. Enfin, voilà, tout ça, normalement, c'est en principe prévu, mais des fois, ça ne marche pas. OK, d'accord. Je crois que Stéphanie voulait rajouter quelque chose. Oui, merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Jean-Louis vient de préciser. Après, pour aller un peu plus loin sur la gestion de la fin de vie des satellites, effectivement, quand on est en orbite basse, mais ça, c'est la LOS, c'est la loi sur les opérations spatiales, et c'est la France qui a légiféré. Dans les autres États, ce n'est pas forcément le cas. Mais quand on est en orbite basse, on a la possibilité de rentrer et de détruire dans l'atmosphère le satellite. Quand on est en orbite géo, on va changer d'orbite, on va se mettre sur une orbite cimetière, mais le problème, c'est ne fait que repousser le problème. Moi, je n'aime pas cette solution parce que on laisse des déchets dans l'espace et on laisse le problème aux générations futures. Pour ce qui est les orbites intermédiaires, quand la LOS a été mise en place, on a protégé les orbites basses et les orbites géostationnaires, mais on n'a pas protégé les orbites intermédiaires, là où maintenant on a de plus en plus de constellations pour tout ce qui est navigation. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de stratégies qui sont obligatoires, même si effectivement, on pense à des orbiter. Et là où le problème n'est absolument pas géré, c'est sur les étages de lanceurs, qui, quand on met à poste un satellite en orbite, le troisième étage, il reste aussi dans l'espace, il devient un objet, un gros objet, qui peut avoir encore à bord du carburant, donc qui en cas de... Voilà, qui peut exploser, générer des débris ou rentrer en collision avec un... parce qu'ils ne sont pas contrôlés, avec un autre objet. Et là, le problème, c'est qu'ils sont sur des orbites de transfert quand c'est pour les orbites géostationnaires. Et donc, du coup, ils sont sur le passage d'autres missions. Et donc, c'est des objets qui peuvent être à terme, qui deviendront dangereux. Donc là, il y a vraiment quoi faire. Parce que j'imagine que les durées de vie sont différentes en fonction des satellites qui sont lancés. Est-ce que, Denis, vous pouvez nous dire un peu, justement, vos nanosatellites, en fait, à quelle altitude ils partent, comment on les envoie, combien de temps ça dure, où est-ce que c'est difficile de trouver de la place, etc., par rapport au questionnement qu'on a maintenant? C'est en orbite basse. Alors, comment on les envoie? C'est qu'on frappe à la porte des grandes agences qui ont... un projet d'envoi de satellites et on leur demande s'ils n'ont pas un peu de place dans la coiffe. Compte tenu de la taille du nanosatellite, il n'y a pas de souci. Bon, évidemment, il faut payer un petit peu, etc. Donc, actuellement, les nanosatellites, vraiment, on est au béaba. Et là, je tiens à mettre en avant le Centre spatial universitaire de Montpellier, qui est un des rares en France, qui a envoyé des satellites qui continuent à orbiter et qui marchent. Il y a vraiment une grande expertise qui est faite au CSU actuellement. Alors, pour en revenir, je ne vais pas faire de la publicité au projet Faune, mais on parlait tout à l'heure de la Lune. La Lune, elle a la bonne, idée d'orbiter autour de la Terre, mais de présenter toujours la même face, c'est-à-dire elle orbite sur elle-même de la même période qu'elle orbite autour de la Terre. Et ça, c'est bien pratique. Alors, pour le projet Faune, vous allez comprendre, mais pour d'autres projets d'observation astrophysique, il s'avère que de plus en plus, il y a des gammes de longueur d'onde. Même si on envoie un satellite autour de la Terre, ça va être difficile à observer parce qu'il va être fortement contaminé. L'exemple, c'est actuellement, il y a une gamme de longueur d'onde, c'est dans le mégahertz qui excite beaucoup de gens en astrophysique. Et le problème, c'est que la Terre, elle émet beaucoup dans le mégahertz, notamment les téléphones portables. Alors, à moins de dire à l'ensemble de la planète, arrêtez d'utiliser les téléphones portables parce qu'on va faire des observations. Donc, le problème, c'est savoir comment on va faire. Et c'est là que les projets autour de la Lune prennent tout leur sens. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'envoyer des satellites, non pas en géostationnaire, mais en lunostationnaire, sur la face cachée. Et la Terre, eh bien, servira d'occultation à ce type de rayonnement. Donc, de plus en plus, il y a de projets autour de la nuit, autour de la Lune, et notamment à travers les nanosatellites. Alors, pourquoi les nanosatellites? Parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc, si on envoie une trentaine de nanosatellites, on le fait après ce qu'on appelle une technique d'interférométrie, on redéfinit toute la direction,
Et c'est quand même moins cher que d'utiliser un grand ou un observatoire. Voilà. Denis, juste, est-ce que vous pouvez nous préciser c'est quoi la dimension d'un anneau satellite ? Bon, il y a plusieurs, ça peut aller de... Actuellement, ça va de 1 mètre jusqu'à plusieurs mètres. C'est, alors, simplement, pendant longtemps, ça a été une petite carte. Oui ? Oui, en fait, c'est parti de ce qu'on appelle les CubeSats. Oui. C'est-à-dire les satellites cubiques de 10 cm de côté. Donc, c'est vraiment tout petit. Et puis, après ça, on est passé à des modules de 3 unités ou de 12 unités ou de 6 unités. Et puis, après ça, il y a des satellites qui sont plus des nanosatellites, à mon avis, mais plutôt des mini-satellites qui atteignent la centaine de kilos et au-delà. Et alors, juste pour info, parce que c'est vrai qu'on n'est pas des experts en satellites, hein, mais par exemple, les satellites qui servent au GPS, c'est des gros satellites, ça ? Oh, oui, oui. Oui. Plusieurs centaines de kilos. Oui. Plusieurs centaines de kilos, c'est ça ? Oui, OK. Disons, c'est des machines à laver. Le développement des premiers nanosatellites, c'était plutôt des tests de cartes électroniques pour valider pour le spatial. Et puis, on a vu que ça marchait très bien, et c'est là que beaucoup de recherches des astrophysiciens se sont intéressés à ça, et de se dire, mais on pourrait mettre d'autres types d'appareils de mesure, des antennes, des choses comme ça. Donc ça, c'est en plein développement. Et je pense que le futur va être, les nanosatellites vont prendre une part importante pour la bonne raison que c'est beaucoup moins cher de développer un programme à l'aide d'un gros nanosatellite, un gros satellite. Ok, très bien. Je vois que Fabio lève la main. À moins qu'il y ait un commentaire, sinon on va passer à la suite parce qu'on a. J'avais une précision à faire sur la pollution spatiale très rapidement. Les débris spatiaux, ça a déjà coûté la vie à un satellite français en 92, hein, avec le satellite Cerise, satellite militaire français, qui a eu son antenne décapitée et qui a été perdu. D'autre part, on a une pollution qui n'est pas seulement physique dans l'espace, on a aussi une pollution qui va être de plus en plus, ça crée des craintes chez beaucoup d'observateurs, d'astronomes, etc., qui va être dans le ciel lumineuse. Ça, c'est lié notamment aux constellations, aux super constellations de satellites qui sont lancées dans le cadre de l'Internet très haut débit et qui, aujourd'hui, prévoient le déploiement de centaines, de milliers, voire parfois plus de 10 000 satellites dans l'espace, ce qui pourrait gêner les campagnes d'observation. Et enfin, troisième point, c'est que quand on les désorbite, ces satellites, il y en a une partie où c'est stations spatiales, il y a une partie qui brûle dans l'atmosphère, mais il y a une autre partie qui tombe sur Terre, qui tombe principalement dans un endroit qu'on appelle le point Nemo, et qui soulève aujourd'hui des questions quant à la pollution de cet espace-là. C'est dans le sud de l'océan Pacifique. Ça marche que pour les rentrées contrôlées ? Oui. Parce que les rentrées non contrôlées, on ne peut pas déterminer à quel endroit ils vont tomber. Bien sûr, mais pour une station spatiale, il vaut mieux. Pour une station spatiale, il vaut mieux une rentrée contrôlée, parce que sinon, les conséquences pourraient être dramatiques pour ceux qui sont en dessous. Ben, c'est surtout que l'incertitude qu'on a sur la trajectoire, elle est telle qu'avec la rotation de la Terre, si on a une imprécision qu'on peut se tromper de plusieurs. Au lieu de rentrer au Canada, on rentre sur Rome. Quoi. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux contrôler les gros objets. Mais... Et là, l'Agence spatiale européenne ou la NASA peuvent plier boutique parce que les conséquences politiques et en termes d'image seraient dramatiques pour elles. Okay. Je crois qu'il y a Fabio qui veut intervenir. Fabio, effectivement. Fabio trépigne, je le connais bien. Je trépigne parce que nos super spectateurs trépignent aussi parce qu'on a vraiment un afflux de questions, en particulier donc sur... les bases humaines, en fait. Par exemple, donc là, trois questions en une de Cyril Prisbilla, Batoudu46 et Jules, qui nous demandent, donc, pensez-vous que l'exode spatial sera massive ? Pourquoi toujours parler de création de bases humaines sur Mars et pas sur d'autres astres, tels que Titan ou Vénus ? Et possédons-nous vraiment la technologie pour envoyer des humains et implanter une base spatiale sur des planètes comme Mars ? Je n'y connais pas grand-chose, mais je pense que Vénus, ce n'est pas un bon plan. Non, il fait trop chaud. Il fait chaud, plus acide, la pression est importante. Les Russes avaient envoyé, dans le cadre du programme Venera, des sondes, des landers qui se sont posés. Ça a tenu quelques secondes, au mieux quelques minutes. Et après, pourtant, c'était très bien carapassonné, mais tous les systèmes ont cessé de fonctionner. Carapassonné.
pour l'humanité. Bon, il a été envisagé, je crois que c'était Sagan qui en avait parlé, il y a très longtemps maintenant, hein, d'envoyer des ballons-sondes dans Vénus, peut-être même équipés d'équipage, mais bon, ce n'est pas une planète qui est très intéressante parce qu'elle nécessiterait une technologie spatiale que nous ne possédons pas et elle représenterait un facteur de risque pour les équipages qui serait absolument inacceptable. Non, les ballons dans l'atmosphère de Vénus, c'était une idée du professeur Blamont. Mais Sagan en avait parlé aussi, il me semble. Oui, bien sûr, mais les ballons de Jacques-Émile Blamont ont été développés et on peut en voir des modèles à Moscou au musée de l'espace, mais ils auraient pu y aller dans le cadre des missions Venera, mais ça ne s'est pas fait. Par contre, il y a eu des mesures récentes autour de Vénus qui font qu'on s'intéresse de nouveau et que l'ESA a une mission en préparation pour Vénus. Après, c'est vrai que pour répondre à la question pourquoi Mars, au-delà de simplement la physique qui fait trop chaud ou qu'il y a trop de pression, Mars est la planète jumelle de la Terre. En tout cas, avec une histoire qui est proche et dans les questions que l'on se pose sur pourquoi la vie est arrivée sur la Terre, y a-t-il eu de la vie sur Mars ? C'est aussi ce qui motive ce type d'exploration. Et même si les rovers sont des précurseurs pour tout ce qui est mission spatiale et pouvoir remplacer l'homme dans des zones qui peuvent être très dangereuses, des zones qui ne sont pas explorées, l'humain a des compétences de versatilité, d'adaptabilité que pour l'instant, on ne sait pas faire avec la meilleure intelligence artificielle. Et le fait de déployer une base sur Mars peut permettre d'avoir accès, de déployer un laboratoire mieux que ce qu'on a dans les rovers comme Perseverance ou Curiosity. C'est pour pouvoir aller plus loin. Alors, ce que je voudrais quand même dire, c'est que la recherche de la vie sur Mars et pas le bon argument pour envoyer des gens là-bas. Parce que si on arrive avec la vie avec soi, on ne risque pas de trouver autre chose que ce qu'on a rapporté. Le COSPAR, qui est l'organisation dont j'étais responsable pendant 12 ans et qui continue, bien entendu, c'était pas un comité, c'est un comité international, est chargé par les Nations Unies de définir ce qu'on appelle les questions de comment on appelle ça ? De protection planétaire, dans lesquelles on a d'une part protégé la science en évitant d'apporter des éléments biologiques sur d'autres corps célestes. Et donc, il y a toute une classification, et Mars est un des objets qui sont considérés avec le plus de précautions en ce moment. Et puis, il y a la protection de la Terre pour le cas de retour d'échantillons. On pourrait ramener de l'extérieur des germes qui pourraient être nocifs pour la vie sur Terre. C'est un sujet qui a été discuté depuis H.G. Wells, un auteur britannique de science-fiction, il y a plus d'un siècle. Donc, ce sont des sujets extrêmement importants. Et en ce qui concerne Mars, tant qu'on n'aura pas réellement élucidé le problème de la présence ou non de vie sur Mars, il serait extrêmement hasardeux d'y envoyer des choses habitées. Il y a d'autres raisons pour lesquelles il serait très hasardeux d'envoyer des gens sur Mars. C'est le temps que ça prend pour y aller et le risque qu'ils se fassent cramer par des éruptions solaires. Ou alors, il faudrait emporter un mur de 75 cm d'épaisseur de plomb pour qu'ils puissent aller s'abriter en cas d'éruption. Il y a le temps qu'il faut pour y aller. Il y a le temps qu'on doit pouvoir rester sur place avant de pouvoir revenir dans des conditions favorables qui se montent à presque une année. Donc, c'est une opération qui dure 3 ans. Il suffit de voir aujourd'hui le temps que prendra la mission de retour d'échantillons qui est préparée par Perseverance et puis qui sera continuée par d'autres engins petit à petit pour pouvoir nous ramener d'ici une dizaine d'années quelques grammes de sol martien, pour savoir que c'est que des conneries. Excusez-moi. Jean-Louis, je voulais juste réagir en tant que biologiste. Oui. Parce que donc la Lune, ce n'est pas la même question que Mars. Hein, pas du tout. La Lune, ce n'est pas du tout le même problème. Il me semble que le premier truc qui a touché la Lune, c'était le sac avec les déjections des astronautes qui étaient dans la capsule Apollo, en fait. Oui, mais il n'y a pas de prescription en ce qui concerne la Lune. OK, d'accord. C'était juste pour vérifier.
Mais je sais que quand j'ai appris ça, effectivement, c'était quelque chose qui m'avait marqué, en fait. Fabio, je t'en prie. Oui, je rebondis sur le fait que vous avez parlé donc, de Mars. Al qui nous pose la question, y a-t-il du coup vraiment de l'eau sur Mars ? Ça, je crois que c'est en... Oui, ça, il y en avait. Oui. Mais il y a très longtemps qu'on le sait. On le savait déjà depuis Viking en 1976. Voilà pourquoi on estime que Mars, enfin, certains estiment que Mars est la planète la plus terraformable parce qu'il y a d'immenses, il y aurait d'immenses réserves d'eau qui pourraient être utilisées. Alors, il y aurait, j'ai dit il y aurait, hein. Il y aurait d'immenses réserves d'eau qui pourraient être utilisées pour créer une nouvelle atmosphère et ainsi rendre la planète habitable. Mais bon, là aussi, ça relève de recherches qui sont extrêmement théoriques, hein, beaucoup de fantasmes. De la science-fiction aussi, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais c'est important, surtout quand on évoque Mars, hein, qui est probablement la planète qui a été la plus travaillée par la science-fiction depuis la fin du 19e siècle, hein, avec notamment le cycle John Carter of Mars, qui a irrigué profondément toute une partie de ces gens qui ont fait l'astronautique du début du 20e siècle, puis de la conquête spatiale. Et il ne faut pas oublier que jusqu'à la fin du 19e siècle, on pense que Mars est une planète habitée par une civilisation extraterrestre qui a creusé ou creuse encore d'immenses canaux, c'est la controverse de Schiaparelli, et que jusqu'en 1974, avec les sondes vikings, on est persuadé que Mars connaît des formes de vie très basiques, mais qui ressemblent un peu à ce qu'on pourrait trouver sur Terre sous la forme de lichens ou de champignons. Et il a fallu que ces sondes arrivent sur place pour montrer qu'en fait, non, on se trompait complètement et que tout ça n'était qu'un astre complètement mort et dénué de toute forme de civilisation. Merci à vous. Juste avant de passer la parole à Fabio, je vois que dans le chat, il y a des auditeurs, je ne sais pas comment on dit, en fait, sur des personnes dans le chat qui s'échangent entre eux aussi et qui se répondent les uns les autres et tout ça. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas. C'est intéressant aussi que vous discutiez ensemble. On regarde tout ça avec intérêt. Fabio, je t'en prie. Oui, merci Thierry. Une question de MS qui attend depuis le tout début de la soirée quasiment, donc je vais quand même la poser. Sujet totalement différent, qui serait le juge qui tranche les crimes commis dans l'espace ? Est-ce qu'il faudrait mettre en place un juge spatial ? Bonne question. Ça a fait l'objet de deux ou trois publications il y a quelques mois ou quelques années. Je n'étais pas forcément très intéressé au sujet, mais je pense que c'est le droit de chaque nation qui s'applique dans chaque module. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de spécialiste des aspects juridiques, en fait. Hein. Ouais. Après, c'est vrai que dans le cadre d'une collision entre deux satellites qui ont été lancés par deux nations différentes, mais fabriqués par deux autres nations différentes et opérés par d'autres nations, ça devient très compliqué. Il y a déjà eu des constats de satellites ? C'est déjà arrivé, ça, ou pas ? C'est-à-dire, suite à une collision, justement, cette question-là de comment on règle le truc, qui est responsable, qui avait la priorité, qui ne l'avait pas ? On s'est déjà posé ces questions-là ou pas ? Normalement, les gens doivent s'appeler avant la collision, mais c'est vrai qu'il y a eu la collision entre Iridium et puis Cosmo SkyMed. C'est un satellite russe qui ils sont rentrés en collision. Cosmos quelque chose. Oui, Cosmos quelque chose, je ne me souviens plus du nom exact. Et alors que les deux surveillaient les trajectoires, il y a malheureusement la collision a eu lieu. Je ne sais pas comment ça s'est réglé, cette histoire-là. Et ça a fait beaucoup de débris à 800 km. Oui, c'est vrai que ça. En fait, au final, c'est. Ça embête tout le monde, quoi, cette histoire. Oui. Il y a un modèle qui décrit ça et qui montre comment une collision déclenche davantage de débris, qui déclencheront davantage de collisions, qui déclencheront davantage de débris, etc. Et au bout d'un moment, ça devient littéralement exponentiel. Et c'est pour ça qu'on pense que d'ici 30 ans, peut-être, certaines orbites deviendront complètement impraticables. C'est le syndrome de Kessler. Ces modèles-là ont été mis en œuvre avant l'arrivée des méga-constellations. Mmh. Et là, avec les lancements de tous les mois de centaines de petits satellites en orbite basse, les modèles, ils s'affolent maintenant. Après, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que l'espace devient aussi un terrain d'affrontement militaire.
avec des armes anti-satellites qui ont été développées depuis les années 70-80 et qui, quand elles tapent un satellite, produisent des centaines, des milliers de débris qui vont ensuite représenter un risque potentiel pour d'autres satellites. Ça avait été très, très avancé comme recherche également dans le cadre de l'initiative de défense stratégique qui a été lancée sous l'administration Reagan aux États-Unis dans les années 80. Détruire les satellites pour empêcher aux puissances spatiales d'accès à l'espace pourrait être assimilé à une forme de stratégie, notamment du faible fort, pour bloquer notamment les grandes puissances spatiales qui ont besoin des satellites pour continuer à fonctionner. Néanmoins, jusqu'à présent, il n'y a eu que des satellites détruits par les gens qui les possédaient. Personne n'a jamais détruit volontairement. Oui, mais par contre, en 2017, on a eu un satellite russe, Launch Olymp, qui est venu renifler Athena Fidus, un satellite franco-italien. Oui, mais bon, la manœuvre, déjà, pas plus en termes de renseignement. C'est ce qui a été dit dans la presse. Et le ministère de la Défense française s'est alarmé, justement, de ces méthodes, de ces façons de faire, qui auraient pu être dangereuses également pour le satellite franco-italien. OK, question suivante. Oui, merci Thierry. Une remarque justement, on a un internaute Gilles Lenoir 89 qui a l'air de se connaître en collision entre satellites qui parle de Iridium 33 et de Cosmos 2251. Deux satellites qui se seraient rentrés en collision. Et je vais continuer moi sur des questions donc plus de valeur économique avec Charles Chevalier qui parle de, en observant l'arrivée de riches investisseurs privés tels que Elon Musk dans les programmes spatiaux, peut-on parler d'un glissement de pouvoir étatique vers un pouvoir économique? Et une question de Hall, la conquête spatiale peut-elle représenter un intérêt économique, entre parenthèses, exploitation de minerais rares ou énergies fossiles? Pour le glissement, il est plus ou moins avéré, une fois de plus, la NASA, toutes les agences spatiales restent aux commandes, le Pentagone est l'un des premiers à fournir des contrats pour ces entreprises qui fabriquent des fusées. C'est encore trop tôt pour dire qu'on a un glissement complet et qui pourrait représenter peut-être un transfert de pouvoir. Après, je peux bien répondre sur la partie économique de l'exploitation des ressources. En fait, dans les études qu'on conduit actuellement, ce qu'on arrive à démontrer, c'est que le coût d'une mission pour aller chercher des minerais rares sur un astéroïde est plus élevé que la valeur que l'on va ramener. Donc, il faudrait avoir l'intérêt, ça serait d'avoir une pénurie totale sur la Terre, de ne plus avoir ce minerai-là et d'être dans un cadre de force majeure d'aller la chercher. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Si on ramène, par exemple, on trouve un astéroïde qui a beaucoup d'or, on est trop content, on le ramène au voisinage de la Terre pour pouvoir l'exploiter. Mais ce qui va se passer, c'est que le cours de l'or dans les bourses va s'effondrer puisqu'on en aura une grosse quantité à disposition et donc il n'y a plus d'intérêt. Ce n'est plus un minerai rare. Donc là, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus complexes que juste l'exploitation. Et après, par contre, là où on peut voir de l'intérêt, c'est pour des missions d'exploration plus long terme où on aurait besoin de produire du carburant à partir des ressources de ces astéroïdes. Mais là, ce qu'on observe, c'est qu'il faut miner pendant 30 ans avant d'avoir une production suffisante pour simplement faire un aller-retour entre l'astéroïde et la Terre. Donc, je ne suis pas sûre pour l'instant qu'il y ait de quoi faire une économie, en tout cas, qui soit rentable. Et là, je suis plutôt rassurée parce que c'est plutôt des questions scientifiques qui vont continuer à pousser notre curiosité et ses missions. Il y a beaucoup de fantasmes. Est-ce que sur la Lune, il y aurait des choses à exploiter, en fait? Ou on ne sait pas trop, en fait? Sur la Lune, il y a quelques minerais. Il y a de l'eau en petite quantité, mais il y a de l'eau glacée, notamment dans les cratères. Donc, ça, il y a cet intérêt-là. Après, il peut aussi y avoir, si j'ai bien compris les derniers articles que j'ai lus, il y a aussi de quoi faire du nucléaire. Donc voilà, il y a des éléments qui pourraient être disponibles sur la Lune pour faire du nucléaire sur la Lune. D'accord. Mais je ne m'avancerai pas parce que ce n'est pas mathématique.
Il n'y avait pas des questions de terres rares aussi sur la Lune? Le régolithe, par exemple. Enfin, je sais pas, les choses dont on utilise beaucoup dans les nouvelles technologies, justement, ils avaient l'air de dire que... Mais bon, je sais pas plus. Pour l'instant, il n'y a pas de modèle économique, de toute façon, et on a suffisamment de ressources sur Terre pour ne pas avoir besoin d'aller dans l'espace, récupérer des choses, avec des technologies qui, une fois de plus, n'existent pas. Parce que c'est bien de dire qu'on peut y aller, qu'on va y aller, et des risques, en effet, qui sont... Qui existent. Je voudrais rappeler le oui. précédent de la Station Spatiale Internationale, dont elle a été question pendant une bonne dizaine d'années avant qu'elle se construise, que la réalisation de matériaux en microgravité, que un tas de choses extraordinaires allaient se produire et faire plein de bénéfices sur Terre. Rien de tout cela ne s'est réalisé, bien entendu, mais on l'a un peu oublié, c'est tout. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Okay, on va passer la parole à Fabio. Je t'en prie. Oui, merci. Pour relier, on va dire, après les minerais, des questions plus sur les matériaux cette fois. Al qui nous demande en fait comment se déroule le processus de détérioration des matériaux dans l'espace. Est-ce que, par exemple, il y en a qui sont contre l'anticorrosion, pardon, et quelles sont les principales menaces pour ces matériaux? Il y a un processus de vieillissement. En fait, quand on est dans l'espace, on est exposé effectivement aux radiations. Les matériaux vont vieillir plus rapidement, donc ils vont devenir plus cassants. Et il y a des phénomènes aussi d'évaporation de quand c'est des composites. Donc, ils ont un comportement qui est différent. Et il y a aussi le vieillissement de tout ce qui est composants électroniques. Qui a une durée de vie plus courte dans l'espace que sur Terre. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question que posait Al, mais... Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Fabio, vas-y, je t'en prie. Oui, merci. Justement, alors après les matériaux, des questions plus sur des projets donc qui vont avoir lieu ou qui n'ont pas pu avoir lieu, comme par exemple, donc Jules nous demande, avez-vous un avis sur le projet Breakthrough Starshot et le pensez-vous réalisable, si vous pouvez nous expliquer ce que c'est, si ça vous parle. Et un autre projet, donc pourquoi n'y a-t-il plus de projet de navette spatiale tel que Clipper ou Clipper, je ne sais pas. Alors, pour la première question, c'est un projet visant à envoyer une sonde, notamment, vers l'espace interstellaire et à commencer les premières explorations de l'espace interstellaire proche, c'est-à-dire celui qui est immédiatement dans la proximité du système solaire, et évidemment des systèmes planétaires qui se trouveraient au-delà du système solaire, notamment de Proxima du Centaure. Bon, c'est financé par du privé. C'est pas le premier. Il y a eu Daedalus qui a été monté un peu en épingle par la British Interplanetary Society dans les années 70, je crois que le rapport date de 78. Il y a Icarus Interstellar aujourd'hui qui s'intéresse aussi à ça. Il y a tout un champ de recherche qui porte sur cette exploration de l'espace interstellaire automatique ou par voie humaine. C'est de la recherche qui est extrêmement théorique et ça ne portera pas ses fruits avant plusieurs décennies, sinon même plusieurs siècles, parce que ça recommandera avant de pouvoir contrôler, ne serait-ce qu'économiquement parlant, le système solaire, de créer une économie spatiale, une civilisation spatiale, hein, on a souvent cette formule qui revient, et de disposer bien sûr de technologies qui seront suffisamment durables pour pouvoir franchir ces vastes espaces et atteindre leurs objectifs. Donc... Il y a beaucoup de communication, il y a eu beaucoup de communication en 2016, maintenant ça s'est un petit peu effacé. C'est pas considéré comme des projets extrêmement sérieux, extrêmement crédibles par la communauté spatiale, clairement. Même s'il y a des gens très très sérieux qui travaillent dessus. Après, tu penses que dans la communauté spatiale, ça doit être compliqué. Déjà, un programme spatial, c'est long.
Et quand on commence, quand on s'implique dans un projet, au début, on n'est pas sûr de voir l'aboutissement. Alors, sur des missions comme ça qui changent, enfin, qui vont dans un espace intergalactique, c'est ça? Interstellaire. Interstellaire, oui. Les durées sont tellement longues qu'on se dit on va se mettre dans quelque chose dont on ne verra jamais l'aboutissement. Mais même au-delà, c'est que au-delà du scientifique qui peut avoir du mal à se positionner sur quelque chose qui va durer plus longtemps que sa carrière, c'est que le politique lui-même ne suivra jamais. Parce que les opinions publiques ne suivront pas, parce qu'elles ne comprendront pas qu'il faille dépenser autant d'argent pour un projet dont elles ne verront pas forcément, elles aussi, la concrétisation. C'est des projets qui sont nés vraiment dans notre monde de grandes espérances pour l'espace, et qui ont poursuivi leur poussée, même après la fin du programme Apollo et la banalisation de l'espace, ce rapport un peu plus pratique à l'espace, et qui aujourd'hui prêche un peu dans le vide, même s'il y a une véritable communauté de chercheurs qui travaillent dessus, même si la NASA, c'était en 2011 ou 2012, je ne sais plus, avec la DARPA, financé un nouveau programme de recherche, le 100 Years Starship. Mais bon, c'est de la communication, c'est de la perspective très lointaine, et pour... même au-delà de ce positionnement scientifique, je pense que pour beaucoup d'ingénieurs, d'astrophysiciens, de gens qui travaillent dans le monde du spatial, ça relève plus de la science-fiction que de quelque chose qui soit vraiment crédible et accessible et même souhaitable. Et après, pour répondre... Oula, tout le monde veut parler, allez-y. Oui, n'importe. Jean-Louis, allez-y. Des scientifiques qui ne voient pas le résultat de leur projet ou qui... ayant vu le résultat de leur projet, ont l'idée de ce qu'ils aimeraient faire si une nouvelle opportunité leur était donnée. J'en connais des tas. André Braik, par exemple, qui est décédé il y a quelques années, un astronome qui était très connu du grand public, regrettait de ne pas pouvoir bénéficier de la prochaine opportunité d'aller envoyer des missions vers Encelade, parce qu'on avait appris tellement grâce à la première mission que... on apprendrait beaucoup plus ensuite avec ce qu'on avait appris depuis, mais comme c'est dans 100 ans, c'était foutu pour lui. En ce qui concerne les navettes et les avions spatiaux réutilisables, on a oublié un petit peu cette partie de la question, je crois. La navette spatiale américaine avait été vendue, comme un peu bien d'autres projets de ce genre, comme quelque chose qui allait être extrêmement économique. On allait réutiliser, etc. Ça a été un gouffre financier, un désastre absolu. C'est pour ça que la NASA a fini par l'abandonner, parce que déjà, les premiers accidents, le premier accident Challenger et le suivant, ont créé des surcoûts et des interruptions du programme pendant des années et des années. Donc, en fait, l'avion spatial réutilisable, l'URSS avait fait Buran. Et ça leur a coûté tellement cher que ça a certainement joué un rôle aussi dans l'écroulement économique de l'URSS. Et quant à la France et l'Europe, nous avons étudié l'avion spatial Hermès, dont on a démontré assez rapidement qu'il aurait une charge utile négative, ce qui était assez fâcheux et qui nous a valu d'ailleurs beaucoup d'ennuis avec la direction générale du CNES à l'époque où on étudiait ce projet. Donc, il faut oublier ça. Un tir de navette spatiale, ça a été estimé, vu le prix du développement et également des lancements, à environ 1,5 milliard de dollars. Exactement. Un tir de navette spatiale. Un tir, oui. Et il fallait refaire bûcher à chaque fois. C'est ça. Ils pensaient en lancer à peu près une par semaine, donc 50 navettes par an. Ils ont à peine réussi à en lancer 5-6 par an. Tellement c'était compliqué, tellement il fallait à chaque fois les démonter entièrement, les remonter, les nettoyer pour permettre un décollage et une mission et un retour sur Terre qui soit safe pour les astronautes. Et même ça, ça n'a pas empêché... Ça n'a pas empêché Discovery. Columbia et Challenger. Columbia, pardon. Columbia. Okay. Enfin, Challenger d'abord et Columbia en 2003. Qui ont été perdus pour des raisons bêtes. Si Stéphanie n'a rien à rajouter... Non, justement, j'allais revenir. Allez-y. Non, justement, Jean-Louis a répondu sur les navettes réutilisables. C'est justement le sujet que je voulais relancer. Ok, donc, parfait, super. Bien. Merci beaucoup. Je te laisse la parole, Fabien. Merci, Thierry. De toute façon, on arrive aux dernières questions. Là, je pense plus des questions par rapport à Mars. Jules qui demandait si la terraformation est possible, quel procédé pourrait-on utiliser? Je ne sais pas s'il parle de Mars. Et Gilles Lenoir 89 qui demande quels sont les enseignements de la mission InSight sur Mars.
si vous connaissez cette mission et si vous pouvez nous en dire plus. Sur la terraformation, les méthodes utilisées, il avait été pensé de faire fondre les calottes polaires, mais c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Les auteurs de science-fiction se sont penchés sur le sujet. Il y a un film des années 80 qui l'aborde, c'est je ne sais pas, Schwarzenegger, où la fin du film est justement la terraform martienne. Mais au-delà de ça, je ne vois pas trop ce qui pourrait être utilisé en vue de nos technologies actuelles pour terraformer Mars. Ça se compte en centaines de milliers d'années, hein, le temps nécessaire pour modifier l'atmosphère d'un corps céleste tel que Mars. Donc, il faut arrêter trop. La première chose qu'il faut voir, c'est que nous sommes en train de faire une expérience à grande échelle de modification du climat de la Terre. On n'a peut-être pas voulu la faire, mais c'est quand même ce qu'on est en train de faire. Et on s'aperçoit que ça va assez vite, ça, par contre, et ça peut être désastreux. Et ça, c'est parce qu'on ne connaît pas suffisamment bien la manière dont notre système fonctionne. Donc, de là à s'amuser à aller modifier en plus l'atmosphère et les conditions existantes à la surface d'autres corps célestes dans le système solaire, il faut arrêter de plaisanter avec ce genre de choses. Voilà. Bon, ensuite, InSight, je sais que la mission s'est posée sur Mars, qu'elle transporte un sismomètre qui a apporté des informations extrêmement intéressante sur l'existence de secousses sismiques sur la planète, mais j'en sais pas plus que ça pour l'instant. Mais je crois que de toute façon, les analyses sont en cours. Il y a eu une détection de 2 ou 3 séismes récemment, justement. Mais bon, c'est 2018, novembre 2018, l'amarcissage de InSight, donc c'est en cours d'exploration. L'atterrissage, on ne veut pas dire amarcissage. Oui, mais ce n'est pas la Terre. Eh oui, mais c'est comme ça. C'est dans le landing de Mars. Alors, sur la Lune, on dit alunissage, mais sur Mars, on dit atterrissage. Sur Mars, on dit atterrissage. Ouais, il faut suivre, hein. OK. Ça a été un sujet de débat très fréquent tous ces derniers temps avec Persévérance. Bon, OK. Non, mais le débat est intéressant. Ça montre aussi qu'il y a un énorme travail à faire du côté des linguistes, du côté des historiens, sur justement cette compréhension, ce découpage de l'espace en période ou le dégagement de termes qui vont vraiment devenir des normes qui seront utilisées pour les prochaines décennies ou les prochains siècles. Mais ça va prendre du temps, ça va devenir l'objet de débats très importants et ça ne pourra passer que par ceux qui vont écrire sur le sujet et qui vont également transmettre ces connaissances auprès du grand public, c'est-à-dire au niveau universitaire ou au niveau scolaire. OK. Est-ce qu'on arrive à la dernière question, Fabio ? Parfait. On arrive sur notre dernière question et je trouve qu'elle est plutôt sympa pour finir justement cette soirée. Une question de Hal qui a été assez actif en plus tout le long de la soirée. Si toutes les communications avec les satellites venaient à être coupées, les conséquences sur l'humanité seraient-elles sans précédent ? Tada ! Voilà, on a un bon scénario de science-fiction. Hein. Exactement. Je pense qu'en ce moment, on serait très malheureux parce que confinés et sans Internet... Ça ferait un excellent effectivement scénario. Ça n'est pas de la science-fiction. Hein. Une éruption solaire extrêmement forte pourrait réduire à néant toutes nos capacités de communication, détruire les satellites en orbite qui sont positionnés comme il faut, etc. Et donc, comme il ne faut pas. Et c'est pas de la science-fiction. Nous vivons maintenant dans une situation qui est très périlleuse et très vulnérable à des événements de ce genre qui sont rares, qui peuvent être très difficilement prévus et qu'on pourra observer 8 minutes après leur survenue avec l'interruption complète des communications, mais aussi un tas d'autres catastrophes. Il ne faut pas oublier que toute la marine marchande qui construit vraiment, qui sert de colonne vertébrale à la mondialisation, utilise le GPS. Plus de GPS, aller faire naviguer un navire dans le canal de Suez ou aller le faire rentrer dans un port en eau profonde, vous allez vous retrouver avec des Evergreen, c'est ça le nom du porte-conteneur qui s'était coincé. Vous allez en avoir partout sur toute la planète et vous allez avoir évidemment de gros problèmes d'approvisionnement, ne serait-ce qu'en pétrole. Et plus d'avions. Et plus des avions aussi. Les avions non plus, également. Mais bon, ça, on s'en passe un peu aujourd'hui, donc ça devrait. Et les comptes en banque et tout le bazar.
Et là, on est en train de discuter entre nous là, via Internet. Il n'y a pas de satellites qui sont impliqués ici. Merci. On ne sait pas. On ne sait pas. Une des choses miraculeuses que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne savons pratiquement jamais par où passent les communications que nous échangeons. Okay. Si c'est par des voies terrestres, aériennes, satellites ou un petit mélange de tout ça. Ok, d'accord. On ne sait pas, donc on ne saura pas alors. Si, il y a des internets entre, s'il y a des satellites entre nous, en fait, c'est ça la question. Y a-t-il des satellites entre nous tous? Ok, bah écoutez, on a encore quelques questions qui s'accumulent, mais on ne pourra malheureusement pas y répondre. On est désolé. En tout cas, merci justement à tous ceux qui ont participé déjà d'une part, tous ceux qui ont interagi avec nous d'autre part, parce que ce rendez-vous, il est sans filet. Hein, c'est-à-dire que si on n'a pas votre input et si on n'a pas vos commentaires, vos réactions et tout, on ne peut pas aller très loin. Hein. Donc, vous êtes essentiel à bonne marche de cet événement. En plus, vous êtes essentiel pour une autre raison, c'est-à-dire qu'on communique, bien entendu, sur les réseaux sociaux pour vous annoncer les prochains bars. Donc, le prochain bar, d'ailleurs, il aura lieu le 20 mai sur « La science aurait ses fake news » avec un point d'interrogation qui n'en est pas vraiment un, j'imagine. Et en fait, le bouche à oreille est aussi notre meilleur réseau social. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que c'est un des canaux qui sont les plus précieux et qui fonctionnent le mieux pour nous en fait. Donc parlez-en à vos amis qui aiment bien poser des questions, qui sont curieux et c'est la meilleure façon qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Donc sur ce, on va bientôt clôturer ce rendez-vous. Merci, alors c'est pareil quand on fait ça dans un bistrot, en général on s'applaudit les uns les autres à la fin de l'événement. On n'a pas cette nourriture-là non plus, ni cette proximité. Et en général, quand on coupe la vidéo, on a aussi un moment où on peut continuer à boire un coup ensemble et puis à discuter de façon plus informelle. Donc, je remercie donc nos intervenants qui ont pris le temps, certains, pour après avoir enchaîné pas mal d'heures de visio pour donner des cours, pour faire des heures sup et puis rester un petit peu avec nous après. Donc, merci à eux, merci à vous, merci à tout le monde. Et puis, on va passer, je vais clôturer la diffusion de la vidéo. Et si ça vous a plu, vous pouvez en parler pour le prochain Bar des Sciences, mais aussi la vidéo est disponible en replay dès tout de suite, en fait. Donc, Et merci. Je ne sais pas si les intervenants ont un petit quelque chose à rajouter. Ils le peuvent. Et sinon… On va couper et puis continuer à discuter un petit peu entre nous. Et puis, s'il y en a qui sont plusieurs à la maison, n'hésitez pas à faire la même chose. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore merci d'être là. Et puis à très bientôt. Au revoir. Et prenez soin de vous. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, je vais arrêter la diffusion dans 3, 2, 1.